Jason Wedding Bells et Léon David. Direction la diagonale, un nouvel obstacle à nouveau dans quelques instants avant le passage du guet. Toujours Ayrton Chita et Pierre Remouet qui ont très nettement l'avantage. Cartagena de Moulignes et Thomas Journiac qui sont en deuxième position. On a franchi le passage des tonneaux et ça va toujours bien avec ensuite Diablotin de Bré et Malone Favriot qui sont en troisième position. Suivi ensuite par Brock Valley, Lady Eddy et Louis Bouton. Tandis qu'on ferme la marche avec Arielton, Wedding Bells et Léon David. Passage du guet, une nouvelle fois, pas de souci pour Ayrton Chita et Pierre Remouet qui ont très nettement l'avantage. Cuartagena du Moulignes et Thomas Journiac sont en deuxième position alors qu'on est dans le sillage avec Diablotin de Bré et Malone Favriot. Qui se rapproche ensuite en troisième position alors qu'on est arrêté avec Brock Valley, Lady Edith et Louis Bouton. Mais relancé maintenant, entre deux c'est Ayrton, Wedding Bells et Léon David qui... viennent en quatrième position pour franchir une nouvelle fois le passage du guet. À direction la diagonale, le passage des tonneaux une nouvelle fois, ça va toujours bien hein, pour Ayrton Chita et Pierre Remouet qui semblent vraiment avoir la mesure de la concurrence. Alors qu'on est dans leur dos ensuite avec Cuartagena du Moulignes et Thomas Journiac qui viennent en deuxième position. On retrouve ensuite Diablotin de Bré et Malone Favriot. On se rapproche ensuite avec Ayrton, Wedding Bells et Léon David et en retrait Brock Valley, Lady Eddy et Louis Bouton. Direction la diagonale pour revenir vers le centre de l'hippodrome. Toujours Ayrton Chita et Pierre Remouet qui ont l'avantage dans cette épreuve. Une nouvelle haie. Pas de souci pour les concurrents. Un peloton qui reste groupé avec Cuartagena du Moulignes et Thomas Journiac qui sont toujours en deuxième position. Nouvelle haie dans quelques instants, on a franchi le tronc. Chute dans le peloton de Cuartagena et Thomas Journiac. Alors qu'on est toujours aux avant-postes avec Ayrton Chita et Pierre Remouet qui vont filer vers la victoire. Mais Diablotin de Bré maintenant qui passe à l'offensive avec également Ayrton, Wedding Bells. Et on en termine avec... la victoire d'Ayrton Chita et Pierre Remouet. On prendra la deuxième place avec Diablotin de Bré et Malone Favriot. Et la troisième place avec Ayrton, Wedding Bells et Léon David. Attention, attention, un concurrent a repris le parcours. Et Louis Bouton qui termine avec Brock Valley, Lady Eddy.